Bonjour Anissé. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vous avez trouvé un paquet cadeau que les enfants n'auront plus du tout envie de déchirer. Oui, ils voudront même plutôt en prendre soin, parce que c'est un papier cadeau avec plein de coloriage dessus. Donc s'ils le déchirent n'importe comment, ils n'auront plus rien à colorier. C'est une jeune graphiste qui a eu l'idée, je pense qu'elle aussi en avait marre de retrouver des petits morceaux éparpillés un peu partout. Donc elle a créé un papier cadeau qui a enfin une durée de vie de plus de 10 secondes. Et surtout, surtout, elle a créé une société pour le distribuer. Ça s'appelle le Lupin Vert, ça nous vient de Parnay-sur-Roc. On est à côté de Laval, département Mayenne. 53, la Mayenne. Hein, c'est ça. Et il coûte combien ce papier ? J'imagine qu'il est plus cher. Oui, mais pas tant que ça. Il faut compter 7 euros les 10 feuilles de 90 cm sur 60. Donc, on est dans les prix d'un rouleau de papier craft. Et comme c'est présenté sous forme de feuilles, l'avantage, c'est que les coloriages ne sont jamais coupés. Donc, le défi pour les enfants, ça sera de bien faire attention pour retrouver la feuille complète. Il faudra quand même faire attention au scotch qu'on utilise avec votre truc là, Anissé. Oui, sinon c'est reparti. On va tout déchirer. On rappelle quand même que les Français consomment 20 000 tonnes de papier cadeau par an qui finissent à la poubelle et en général... en moins de 10 secondes. Celui du Lupin Vert aura l'avantage de durer un peu plus longtemps grâce à ses coloriages. Du Made in Mayenne, du Made in Pays de Loire ce matin avec Anissé Vidal.